Pas prévenu plus tôt que tu rentrais. Oh, tu sais, c'était vraiment pas dément, quoi. Il y avait pas de vague, c'était même pas la peine d'essayer. Tiens, au fait, il y a ton producteur qui a appelé pour un concert au New Morning. Tu devrais le rappeler. Ah non, pas ce soir. Je suis vraiment crevé. Que les médecins vous avaient donné. La nuit, vous quittez la clinique en douce pour aller boire dans des troquets. Malgré les consignes, vous fumez dans vos lits. Et cela, c'est vite. Moi, j'ai un boulot, je m'en sors comme je peux, mais il y en a d'autres qui sont tombés de haut. Dans les 8 jours qui ont suivi la... Une info de dernière minute. On apprend de sources sûres que le célèbre chanteur de rock Hippolyte vient de se donner la mort en sautant du pont de l'Alma dans la Seine. Hippolyte est-elle une des plus grandes figures du rock français actuel? Il était âgé de 25 ans. Nous attendons des informations plus précises dans les heures à venir quant aux conditions exactes de sa mort. Mais tout de suite, les prévisions météo. Calme-toi, il va arranger ça, ton impresario. Jean-Philippe, Suzanne ? Jean-Philippe est là ?
Au bureau. Et il restera jusqu'à quelle heure? Bon bah je vais y aller directement alors. Ok, bon bah salut. Tu m'expliques ce qui se passe là? C'est quoi ton problème? T'as vu à la télé? Oui, j'ai vu. D'où ça vient cette histoire? Ben de quoi tu plains? On va parler de toi maintenant. Mais arrête tes conneries, fais quelque chose! Je t'offre un petit whisky. Dis donc, Hippo, t'as vidé Jonathan, tu te souviens? Ils ont fait 2,45 tours. Depuis, on n'entend plus parler d'eux. Sabine Legrand, tu connais? Non. Il y a 15 ans, on pouvait pas allumer la radio sans l'entendre. Tu sais pas ce qu'elle est devenue? Non. Moi non plus. Elle a complètement disparu de la circulation. Tu sais, ton premier disque, il a bien marché. Mais le second, ça fait 15 jours qu'on l'a lancé maintenant. J'ai reçu les premiers chiffres ce matin. C'est pas fabuleux. En fait, ce qui t'arrive, c'est peut-être une aubaine pour toi. Ah non, mais arrête! Je passe une journée galère, je rentre. Je suis dead, et en plus j'apprends que je suis mort. Tu peux t'expliquer là un peu? À partir de demain, tu te planques. Moi, je téléphone à la presse. Les obsèques auront lieu dans le calme et la dignité. La télévision sera là, bien sûr. À la radio aussi, on parlera de toi. Ça, c'est un vrai coup de pub. Ne t'inquiète pas, les ventes de tes albums remonteront en flèche. D'elles-mêmes. Tu crois que ça peut vraiment marcher, un plan pareil? Écoute, rentre chez toi discrètement, dors bien, on en reparlera à tête reposée.